Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Maître de Donjon de Nullbuck. Dans mon donjon absolument dégueulasse. Nous allons reprendre les ressources, informations, agrandissantes. Ok, let's go, c'est l'heure de la bague. D'accord, il s'est passé des choses. J'ai laissé tourner un peu le jeu, hein. C'est pour ça qu'on a un peu de pognon. Bon, visiblement c'est bien. Ah oui, j'ai laissé un peu tourner le jeu. Ouais, d'accord. Ah oui, j'ai vraiment laissé tourner un petit peu le jeu. Je suis parti manger quoi. Enfin, j'aurais peut-être pas dû. Faut arrêter de manger quoi. Arrêtez de manger, arrêtez de vous nourrir. Mais attendez deux secondes. Je crois qu'on a eu un carton. J'ai perdu un cuistot elfique. Ah, et j'ai plus de. Ok. On a perdu des gens. Recrutement. D'ailleurs, faut payer un maître espion. On va s'en prendre un. On va se prendre un espion. Deux nains. Deux gobelins. Et on a perdu quoi comme cuisinier? J'ai oublié. C'est un cuisinier elfique. Et on va se reprendre un cuistot. Non. Et on a compris. Cuistot elfique. Voilà. Voilà, voilà. On se fait cartonner nos custos à chaque fois, je sais même pas pourquoi. On devrait pas arriver, je sais pas ce qu'ils foutent dans ces salles là. Ah, c'est parce qu'il y a des dortoirs ici. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Incursion en approche. On a des gens qui arrivent. Peut-être au premier. Ah oui. Oh, comment ça on a pas de pognon? Pas de problème. Drones peuvent emprisonner dans leur cellule pour se divertir et libéreront la cellule. Vous avez besoin quand à terminer leur truc. C'est quoi le problème? La salle est la cible d'une incursion. Ah! C'est pour ça que t'as des gens qui sont pas contents. J'ai pas tout compris. Tâche 3 a été débloqué. Ah non! Je vais encore payer plus cher! Non. Maître, c'est maintenant certain. L'incursion est terminée. Ah, enfin! Je vais pouvoir reprendre mes travaux. C'est l'avantage de l'affiliation, maître. Beaucoup de contraintes, mais des revenus en plus. Il faut encore renforcer les défenses. Je veux que les aventuriers souffrent cruellement, qu'on leur arrache les membres, et qu'on fasse tournoyer leurs tripes dans les couloirs. Affirmatif. On en fera du boudin. J'ai recruté un espion. Sournoiserie, fourberie, cruauté, malhonnêteté, et une pointe de sadisme. La recette est connue, mais l'équilibre est délicat. Cette malveillance me met en joie. Orlof Orbor, inquiétude quant à la fidélité de la troupe et risque de sédition apportée par les forces spéciales. L'important, c'est de bien les tenir en laisse, et d'équilibrer récompense et punition. Ok. Accumuler 50 informations dans une armoire secrète. Un secret des espions grâce à un espion. Alors, je suppose qu'il me manque des infrastructures. C'est quoi encore la nouvelle merdouille que j'ai débloquée? Une cheminée. Parce que ça fait stylé. Est-ce qu'on peut pas se caler une petite cheminée quelque part du plus grand style? Bon, papa ici, hein, visiblement. Peut-être par là. Ah, voilà, une petite cheminée en salle de pause. Et ça régale, tout le monde a envie de ça, là. Je vais même la mettre par là. Fait plaisir. Du coup, ici, ça sera toujours définitivement un peu de la merde. Je suppose que je peux pas me refaire un mur juste là. Toujours pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui glisser, voilà, un petit feu de joie des plus stylés, bien sûr. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça régale. Ici, on va améliorer cette salle parce que je pense que ça va devenir très vite la salle principale de nourrissage du peuple. Oui, ça fait mal aux oreilles. Moi j'ai dit nourrissage. Cantine palier niveau 3. Ah, on peut avoir des buffets à dessert. Ok, on peut débloquer des trucs. Je vais supprimer ce machin. On va se garder la place pour une grande table. À débloquer au marché. Tiens d'ailleurs, le marché, ça fait un sacré moment qu'on n'y est pas allé. Le crack 40. Le marché. Pas d'eau glissant. Trophée d'animaux. Nain de jardin.
bouclier. Ça on a déjà, c'est de l'arnaque d'acheter ça. Sac d'épices. Voilà, ça me fait plaisir. Promotion, une lanterne à moins 33%. Je l'achète tout de suite. On est blindé de déco. On s'est fait péter la déco. Waouh. Est-ce qu'on peut s'en poser plein ou on peut en poser qu'une? Est-ce qu'on peut se la poser quelque part où c'est sympa? Je sais pas où ça peut être sympa. Ah! Bah chez toi, tiens. Petite lanterne. Ah ouais, on a débloqué l'objet tout court, donc on peut s'en poser plein si on veut. Ok, impeccable. On s'en met deux autour du... autour du bureau de Zangda... de Relax. J'aurais pu lui mettre aussi sa petite cheminée. Cheminée, là. Bam! Petite cheminée de boss, là. Ça se pose là. Ok, ça c'est pas mal. Il y a d'autres décos que j'ai pas vu. Chapeau pointu. Voilà. Des boucliers, des trucs et des machins. Ça me paraît impeccable à mettre un peu partout, n'importe où. Genre par ici, quoi. Genre la salle des gardes standard, quoi. Est-ce que pareil, on s'accrocherait pas ça un peu? Ah, c'est dans les poteaux, c'est dans les murs, c'est dommage. C'est perdu. Si c'est dans le mur, on le voit pas. Voilà, c'est un peu dommage si on fait ça. Ah, d'ailleurs, j'ai pas complété du coup la déco de ce truc là. À faire entre ces quatre. Mais c'est pas le moment. La salle de. Voilà. De pose. De posabilité. On va se mettre ça comme ça. On va se mettre des animaux. Bien au milieu, ça passe. Ah, ça fait pas jojo. Ah, au milieu ici. En fait, c'est jamais vraiment au milieu. C'est un peu nul. Ah, on peut pas. Ah, il faut que ce soit dégagé en bas au sol. Ah, intéressant comme information. Du coup, il faudrait que je place d'ores et déjà des tables. Voilà, c'est ça. Je peux pas mettre des tables en dessous. Ok. Ok, ok. Très probablement, ça, je serai obligé de le décaler. Ah oui, je suis en train de le rotate. C'est rigolo. Pas ce qu'on veut. Et comme ça, je garde ici une place pour la table à dessert. Et ça, c'est épique. Let's go. La décoration de cette salle est un peu triste. Il y a encore des trucs que je viens de récupérer ou pas, là. Je sais plus, en déco... j'ai dû acheter encore une connerie, je crois. Enfin, un truc. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bah non. Je le retrouve pas. On peut se caler des petits tapirs pas chers. Voilà. Attendez, on peut même faire mieux. On peut mettre ça comme ça, ça. Comme ça. Voilà, full tapir. Je parle pas de la bestiole. J'adore l'humour. Ah, ça passe pas sous la cheminée. Triste. Ok. Elle donne quoi cette salle? Wow, on a du mal à la décorer, hein. 2 étoiles, allez, 2 étoiles. Ok. 2 étoiles. Il faut aller chercher l'étoile manquante, j'ai envie de dire l'étoile finalement filante. Je pense qu'on va aller chercher ça sur de la déco murale. La petite lanterne. Ouais, je peux entendre ça. Voilà. Voilà. Ça comme ça. Ça comme ça. Non, un petit là finalement, c'est pas mal. Attendez. Reviens ici. Normalement, je peux en mettre un là. On glisse un par ici et on est bien. La pause déj, voilà. Moi ça là, très très joli finalement. Finalement on adore. Ça on peut mettre du 2, des trucs qui s'accrochent à 2 là-dessus. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Hein. Et, ça fera très bien l'affaire. Mais c'est dégueulasse, ça fera parfaitement l'affaire.
Les bricoler cette salle vite fait là. J'aimerais débloquer la super table. Ah oui, après faut que j'aille vendre du stock d'armement parce qu'on en a trop. Faut me faire ça entre deux là. Stock et vente. On n'a pas trop d'outils. Parce qu'on en vend la moitié. Ok. Par contre, des flingues, voilà. On est armé jusqu'aux dents. Peut-être passer à 30% de volume et on va en vendre tout de suite 30. Une bonne trentaine, comme ça on est bien. Voilà. On a redescendu un peu le stock, ça va mieux. Voilà. Normalement, on a débloqué de nouvelles choses. La grande table à bouffe. Waouh! Ouais, on n'a pas le choix, on est obligé de la caler comme ça. Quoi. Parfait. Bon, voilà. Ouais, tout le monde y est content. Un petit bras zéro là. Il y a plus 50 places, mais on peut encore se caler un bras zéro ou deux. Enfin, on peut se rajouter une bricole ou deux quoi. Voilà, et normalement, juste avec ce bras zéro, c'est fini, on peut plus rien rajouter. Ah si, on peut encore ajouter un petit chandelier ici, là. Ou un autre bras zéro au sol. Voilà. Du plus bel effet. Ah là, je me suis pas foutu de leur tête. Hein. Ils sont bien. Bien encore. Donc, on a une option dans la salle des gardes qui est l'armoire secrète à secret des espions. Alors, certes, mais on a des problèmes. Que je suis pas sûr qu'on puisse encore la rentrer, ce truc-là. On peut encore rentrer un truc comme ça. Ok. Que je pouvais mettre, hein, là faut me laisser tranquille au bout d'un moment. Ah, what else? Dans les cuisines, il y a un autre truc qui s'est débloqué. Ah, une déco spéciale cuisine. Une spéciale cuisine. Oh là là, c'est que du tier 2 là, c'est triste. J'ai envie de garder ça, j'ai envie de virer le petit banc. Voilà, à la place, on va virer le petit banc. Et on va se rajouter... Ah ouais, non, ouais, d'accord, la pile, c'est une pile, quoi, hein, c'est une pile de trucs, quoi. C'est au milieu ou rien, quoi. Bon, ce sera parfaitement bien au milieu, hein. Ou alors l'inverse, genre... Dis-moi, est-ce que toi, tu peux venir là? Voilà, est-ce que je sais pas... vire, voilà... Non. Ah! Oui, annule tout. On recommence. Supprime-moi ça. Voilà. Ensuite, déplace-moi ça. Ici. Et moi, les sacs contre le mur. Ce sera un peu plus lourd. Voilà, c'est roleplay. C'est RP, comme qui disent les MJ. Et non pas les MJC. J'adore l'humour. Et vous, ça vous la coupe ou pas? Je crois qu'en plus il y a d'autres trucs encore qui peuvent être ajoutés dans cette salle là après. Mais je crois que en réussissant un raid. C'est pas toi là en débloquant du prestige des cuisiniers de niveau 6. Ça augmente les chances de gagner un bonus d'une plus grande quantité de desserts. Il faut un cuisinier humain. Mais j'ai un cuisinier humain! Qu'est-ce que tu m'emmerdes? J'ai rien dit. Ne soyons pas grossiers. Stock et vente. C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est les infos. Ah, bah... on va vendre 10% de nos informations pour l'instant. Je sais pas trop combien on en produit.
Au boulot! Arbeit! Schnell! Encore une incursion, mais une fatigue. Mais elle est où ton incursion? Ne dis pas qu'ils sont paumés à un étage, on peut pas accéder ces abrutis. Hein. Le banquier qui raque sa race. Bon, elle accouche cette incursion là. Bon, on sait pas. Il y a peut-être du raid à faire là. Non, y a rien du tout. C'est de la merde. J'ai l'impression que la carte elle peut aller plus loin. Il y a de la bagarre. J'ai l'impression d'avoir un milliard de gardes mais qui sont tous claqués au plancher. Je suis en train de me faire défoncer. Oh, mais qu'est-ce qu'ils foutent? J'ai un milliard de gardes et ils servent à rien. Ah mais ils sont en train de se balader partout comme si on n'existait pas quoi. Mais je me suis fait détrousser quoi. On s'est fait humilier. Faites quelque chose putain. 19 sbires ont été massacrés mais... Mais comment c'est possible d'être aussi con? Merde, j'ai une armée de crétins. Et du coup, tout le monde est mort, c'est ça? Tous mes cuistots sont fait buter. Il me reste mes deux ingés gobelins. Voilà, mes deux ingénieurs nains, ils sont crevés. L'espion s'est fait buter. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais putain, ils sont tellement cons. Pourquoi j'ai que deux elfes? Je suis en train d'avoir trois. 1, 2, 3, je suis censé en avoir 3. Pourquoi j'ai pas 3 gardes elfiques? Oh, ça me gonfle. Recrute-moi ce connard. Deux crétins comme ça, ça fera très bien l'affaire. Insupportable. On peut bien. Hein. Ah oui, bah d'ailleurs, je peux embaucher 3 assassins là. Allez. Embauche-moi tout ça là. Trois espions. Là. Allez, stockez dans vos boîtes là, grouillez-vous. Trimez. Voilà, là ça stocke. Ah, c'est littéralement des voleurs. Eh bien, c'est le voleur. Qu'avez-vous derrière la tête? Croyez-vous, vous me coûtez une blinde. C'est insupportable. Rapportez-moi de l'argent. Emportez le raid chasse au trésor. Ah, c'est par là. Là. Oh putain, il y en a partout. Chasse au trésor, je sais pas c'est lequel. Je sais pas c'est lequel. Je vais prendre celui-là. Allez! À l'assaut! Genre, faut envoyer quoi? Juste des gardes. Qu'est-ce qu'il faut t'envoyer? Des gardes et des espions, ça tombe bien, j'en ai.
Envoie-moi deux espions, et puis tu m'envoies un garde, et puis tu dois avoir autre chose sous le coude, non? Un autre espion, là. Participe déjà à un raid, hein, merde. Y'a plus personne, j'ai envoyé tous mes espions. Envoie ce type, là. Lancer le raid. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour lancer un raid, au secours. Moi, je veux bien, mais... Est-ce qu'on peut... On peut pas circuler sur cette carte, genre on est zoomé obligatoirement. Les cuistots, faut se donner, hein, faut se la coller là, un peu. Hein. Allez, 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 les gars, faut pousser. Pas assez de cuisiner, j'ai l'impression. Porter le raid chasse au trésor, bah, je veux bien, mais... Je peux pas. Je voudrais bien, mais je peux point. Et arrêtez de dire c'est puce, ça dégueulasse, tout ça, c'est excessivement propre chez nous. La salle de Zangdar est propre. Arrêtez de maintenir ça propre. Faut que ce soit dégueu tout le temps. Arrêtez de maintenir ça propre. C'est insupportable. On veut que tout soit crade tout le temps. On veut triompher du mal avec de la crasse. Enfin du bien. Voilà, ça c'est dégueu. Voilà. Salissez-moi tout ce donjon, bordel. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi ton problème? Guichet actif, sbire dans la queue. Oh putain, on s'en sortira jamais si je rajoute pas un deuxième. Ah, faut un deuxième guichet. Oui, c'est bon, on a compris. Arrêtez de casser les couilles. Voilà. Je veux supprimer ça. Par contre, je veux rajouter du coup un guichet. Deux guichets. Voilà. Je peux pas rajouter beaucoup plus. Hein. Il faut que j'embauche un nouveau banquier. Ah putain, ça me coûte une blinde. Ah. Cassez-vous. J'ai bien deux banquiers là. J'ai deux banquiers. Parfait. J'ai l'impression que les latrines c'est devenu un peu petit. Pourtant c'était grand à l'origine hein, comme ça. Là. C'était vraiment, on avait de la place, on avait de l'espace. Maintenant j'ai l'impression que c'est un peu ric-rac. C'est un peu comme les cuisines. Hein. J'ai l'impression que 3 cuistots c'est léger. Repas produit par D4, 2. Mais faut que je produise combien de repas par D4, j'en sais rien. Bon, après, on peut agrandir les cuisines, hein, c'est pas trop un problème. Hein. Non, cette salle-là, on peut l'agrandir. On peut, par exemple, basiquement, tirer la salle de là. Ah, de là. Construire des murs. Ah, on peut encore ajouter tout ça, tu vois. Voilà. On peut tout à fait supprimer tout ça là. Démolis-moi tout ça là. Voilà. Tout ça, ça devient une grande cuisine. Voilà. Donc là, on peut tout à fait se mettre là-dedans et se dire bon, bah, on va rajouter des postes de cuisine. Attends, je sais même plus dans quel sens je tourne. Ça va être sur ce mur-là, hein, parce que je crois que j'ai pas non plus... On n'a pas non plus le choix infini, hein, de nombre de stations qu'on va pouvoir ajouter. Ouais, on va pouvoir glander un truc par là. Ça va être la table à dessert. Hein. Pour l'instant, on va garder cet espace. Ouais, on va garder cet espace pour l'instant. Ah, attends, je peux mettre une table de cuisine ici, en fait.
pouvoir s'en mettre une là, ok. Et au lieu de la mettre... Ah, on pourra même s'en mettre une là. Ok, ok, ok. Ah non, on pourra se la mettre que comme ça. Ouais, c'est ça. On pourra faire que ça. Non mais on optimise l'espace, hein. On optimise l'espace. On n'a pas trop le choix, la cuisine n'est pas gigantesque. Hein. Voilà. Voilà, un petit peu de déco, ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir, les gars. Regardez-vous. C'est quoi même, viens-moi ça. Hop là, viens-moi ça. Mets-moi une autre armoire. Je sais pas si c'est nécessaire. Augmente de 5 le stockage de chaque type de repas dans le donjon. Ouais, 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 ouais. C'est utile, on prend. Allez, on va valider ça. Maître, nous avons reçu une mise en demeure de la part du conseil des villageois de Val-Tordu. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces cancrelates bouseux? C'est au sujet de notre arrangement à propos de la livraison de boudin à notre garde. Ils disent que nous n'avons pas respecté notre part du contrat. Oups. Quoi, oups? Je crois que j'ai peut-être torturé quelques villageois. Pour passer le temps, c'est tout. Mais vous êtes malade! Ouais! Et comment on va faire pour le boudin? C'est un des produits phares à la taverne! Merde! Du calme. Je suis certaine qu'on peut s'expliquer avec ses échevins. Ses échevins. Les raids. Ah, j'ai un gars qui a passé un niveau. Diplomatie. Alors, gagne de la réputation, mécontentement de Glarg plus 56. Bonus de mission, domestique, cuisinier, orc, barbare. Faut envoyer des cuisiniers orcs. En gros, c'est le projet. Je dois avoir ça, moi, des cuistots orcs. Enfin, je dois en avoir un. J'en ai pas 50, j'en ai un. J'ai plus aucun cuistot. Il reste plus qu'un cuistot. Je me fais buter tous mes gars à chaque fois. C'est insupportable. Bon. Sors-moi de là. Sortez-moi d'ici, là. Bon, déjà. Est-ce qu'il est vrai que j'ai plus qu'un cuistot? J'ai encore plus qu'un cuistot. Oh, ça me gonfle. Cuistot orc, recrute. 2. Un crétin comme ça et encore un crétin comme ça, ça me va très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut, ce truc? Quoi? Colonne orc augmente le prestige de la salle. Si tu veux. Qui veut une bonne grosse colonne? Oh, pff, la taille de la colonne aussi, mon gars. Ah, au beau milieu du couloir, là. Ah là là là, c'est joli. Voilà, fous-moi ça ici. Parfait. Magnifique. On aurait voulu faire plus beau, on n'aurait pas fait. Donc j'ai bien deux cuistots orcs, j'ai un seul cuistot elfique. Il en faut un autre. Voilà. Un max de crétins. Un ingé de chaque. Je me suis encore fait buter deux ingés. Un ingé de chaque, c'est ça? Oh là 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 là. Ce qui est chiant, c'est que les civils se suicident au lieu d'aller se mettre en sécurité. Ça, c'est un petit peu casse-pied. Et surtout qu'on renouvelle pas automatiquement les effectifs. Je comprends, hein, mais c'est un peu casse-pied. Donc, ce raid, voilà, ce machin. Il faut du cuistot orc. Hein. Il n'y a pas à discuter pendant 107 ans avec des orcs tout court. 47%, c'est tout. Ah ouais. Le raid est hors de prix, je peux pas le lancer de toute façon. Ça c'est quoi? De la PDF. Infiltrons cet endroit et soutirons-en un maximum d'informations. C'est une mission d'espion. Pas de bonus, hein, gagne de la réputation, mécontentement, relique shop de Tropico. On peut tenter d'aller visiter un endroit comme celui-là. Où sont mes espions dans cette liste? J'ai plus d'espions. Eux aussi, ils sont suicidés, ils sont foutus en l'air.
quoi, on va même se faire du stock. Voilà. Reprends-en encore. Voilà, on en a 6. Je m'en fais buter 3. J'en ai encore. Ok, un sbire mort. Je sais pas qui est mort. Ah, est-ce que c'est quelqu'un d'important? Un cuistot, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tous mes cuistots. Tous mes ingés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est juste un garde qui est mort. Parfait. Tac. Stock et vente. On est au max. Stock actuel 250 sur 250. L'entrepôt n'est pas assez grand. On pourrait pouvoir entreposer plus. La portée des raids est augmentée. La portée des raids est augmentée. Ah ouais, il y a un vrai concept art de... Ok. Ok, ok. Moi, je suis parfaitement d'accord avec tout ça. Écoutez, on va porter notre attention sur ce qui est réellement important, c'est-à-dire cet atelier et tout ce qu'il peut entreposer. Et on va se rajouter donc une porte ici. Pour l'instant, je l'agrandis que de ça. Et c'est la construction est en cours. Et la salle des gardes, je vais agrandir encore la salle des gardes. J'ai rien mis sur ces murs. Ok, j'ai rien mis sur ces murs, excellent. Est-ce que je l'agrandis? Oh, je l'agrandis. Oh oui. Démolis-moi ça. Hop. C'est pas ça que je... Ok, et remets-moi une porte, genre ici. Remettre de quoi stocker. Je suis pas très fan du rangement. On perd de l'espace. Voilà. On en a récupéré. Ok, impeccable. C'est vaste entrepôt. Hein. Tu peux aller habiliter cette salle. Hein. Let's go. Hein. Bon courage. Je vais regarder s'il y avait des choses intéressantes à débloquer. Ok, avec le des niveaux, genre si on arrive niveau 3, papapapam, la meule, augmente la chance que les artisans produisent une plus grande quantité d'outils, accumuler 500 d'armement, 500, oh, ok, 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 bon on sera encore bon pour agrandir cette salle là, par rapport à ce qu'on stocke, choisissez le raid chasse au trésor, mais je l'ai pas vu ton raid chasse au trésor. Diplomatie charcutière, mercenariat, mission improbable, mercenariat, pillage, mission improbable, pillage, chasse au trésor. Ah, chasse au trésor. Artisan, banquier, elf, troll. Artisan.
si tu veux. Ça compte ça? Ça n'a pas l'air fou. Hein. Pas l'air dingue, hein. Si je t'enlève toi, 61, 72%, ouais, bah vas-y. Hein. On est tout méga, hein. C'était pas lourd. Hein. Visiblement, faut que je stocke de l'information. Ok. De l'info, hein. Je garde un peu de marge. On verra si on s'ajoute des gardes. En vrai, je m'ajouterais bien du garde. Hein. Voilà. 3680, on n'a pas l'argent. Oh, on y est presque. Hein. Donne-moi l'argent. Oh, on a un peu de pognon. Hein. Ça va. En termes de budget, ça se passe bien. Casier de garde d'Oro. Prestige de prison au palier 2. Mais je crois que j'ai pas encore la prison. Cadre de tribu barbare gagné. Encore des barbares à gagner. Casier de garde de troll. Oh là 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 là. Il y a des choses. Hein. Il se finit quand ce raid? Il y a pas un petit moment encore. C'est bien. On le laisse tourner, on gagne un peu d'argent. C'est parfait. On adore. Le pognon rentre plus vite que ça. On a peut-être augmenté un petit peu trop dangereusement nos effectifs. Bon, puis la base est pas très très jolie. Je pense que... Enfin, tant qu'on a plusieurs étages, on pourrait se permettre d'aller se faire des salles ailleurs. Mais bon. Sachant que maintenant qu'on a une... On a un coffre-fort, j'ai envie de dire. Il faudrait voir pour mettre ça et la salle des gardes au même endroit. Voir la salle des gardes autour de la salle des coffres. Je me demande si on peut faire ça d'ailleurs. Mettre une salle des coffres et entourer avec des murs de salle de garde et mettre une salle de garde tout autour de la salle des coffres. Ça serait très rigolo. Récupérer le butin. Ouais, carrément, carrément. On prend la thune ici. On est comme ça. Une mission à espion. Ouais, let's go, hein, ça on en a. On va t'en envoyer, hein. C'est pas le problème. Hein. J'en ai plus, c'est ça. Je vais péter un câble. Ah. Allez. J'ai gagné la mission. Grâce à notre nouveau réseau d'espions, nous allons rapidement savoir où envoyer nos sbires. De nouvelles victimes en perspective pour nos sévices. Par les gemmes de Valatonir, que voilà une nouvelle réjouissante. Tous ces minables qui se sont gossés de moi vont le regretter amèrement. Cela ne doit pas vous détourner d'un management rigoureux de vos activités principales qui constituent le cœur opératif de cette entreprise. Oui, oui, Revex, occupe-toi de la caisse des donjons. Voilà, tout bêtement. Et ben, on va s'arrêter là. C'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour le donjon, le maître du donjon de Nullbuck. Et je vous dis à la prochaine.